Eh bien bonjour à toi cher viewer, cher abonné, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la suite de notre carrière sur Wartell. Alors comme tu peux t'en souvenir, la dernière fois on est sorti du tombeau. Et on a d'ailleurs découvert pas mal de choses. On a dit qu'on allait aller au camp pour que Sébastien, notre érudit, puisse voir tout cela. Mais là on peut voir de suite, je viens de voir porter mon regard ici. Et de voir que des brigands se sont échappés. Donc on va pouvoir les combattre. Et puis aussi pouvoir explorer ce repère de brigands. Donc finalement il y en a bien qui se sont sauvés de la tour. On peut les voir ici. Donc par contre on pourrait placer tous nos personnages là-bas. On va déjà les déplacer par ici. Voilà. Axe ici. En arrière. Ici. Monique ici. Non, Monique ici. Sébastien ici en arrière avec Maximiliano. Taurus ici. Alexide interverti. Ah, ils auront assez de portée quand même pour attaquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer directement avec avec Lombardie. On va se mettre ici. Voilà. Lombardie, il attaque l'archer. Il gagne la riposte. On va lui faire ceci. Voilà, parfait. Il a eu la déstabilisation. On va aller avec Taurus. Est-ce que Taurus a assez de déplacement? Là, normalement, il aura, le truand, il aura pas assez de portée. Il pourra rien faire. Voilà, parfait. On gagne un point bonus. On a déjà riposte. Déviation... Concentration du brigand, provocation. Bon, on va quand même faire riposte pour Taurus. Je suis pas sûr que ça va faire une double riposte pour Lombardie. Voilà, donc là normalement il aura pas la portée. On peut l'espérer. Il a pas la portée. Parfait. Qui doit attaquer ensuite? Celui-là. C'est l'archer. Donc pour éviter qu'il attaque, voilà, on arrive vers derrière avec Alexis. Voilà, parfait. On va lui faire le choc affaiblissant. Voilà, le coup critique d'Alexidé. La galvanisation pour nous, parfait. Donc ensuite, c'est lequel qui doit attaquer? Celui-là. C'est celui-ci qui doit attaquer, le maraudeur. Du coup, ben là, le choix va être vite fait. On va dans le dos avec Chapolo. Ah bah non, mais c'est plus dans le dos du coup. Il est empoisonné, parfait. Voilà, c'est Akert. Akert, le coup dans le dos, le coup de poignard. Et voilà, il est par terre. Bravo. Ah bah là, le très bon duo, là. Akert et Chapeau, c'est parfait. En plus, on gagne un point supplémentaire. C'est qui doit attaquer? Celui-là, là-bas. Il aura pas assez de portée. Du coup, avec Monique, on va aller s'occuper de celui-là. Ah non, c'est Maximiliano. Voilà, magnifique. Donc là... Le maraudeur, il n'aura pas assez de portée. Très bien. Ensuite, bah là c'est Monique. Voilà, Monique, ça va être facile, ça va être simple. Elle va venir ici. Elle va faire le l'entaille. Voilà, parfait. Est-ce qu'elle a encore assez de portée? Ah, dommage. Elle n'a pas assez de portée. Axe. Axe, il va venir jusqu'ici. La axe, normalement, il aura la portée pour toucher celui-ci. Volée de flèche. Et puis, on va utiliser le point bonus pour le tir de recul. La flèche en pleine tête pour Axe. Et voilà. Parfait. De nouveau un point bonus. Allez, on y va avec Sébastien. Sébastien à la charge. Ah, on s'est peut-être trop avancé avec Sébastien. Ah, Sébastien va se faire toucher. Mince. Ça va, Sébastien a résisté, son armure est solide. Voilà, on arrive, on avance avec TLRC, parfait. Ah bah là, il s'est fait toucher, attention. Du coup là, c'est de nouveau l'archer qui attaque. Du coup là, on va essayer de faire un duo avec les deux empalements. Là, parfait.
parce que Sébastien... Ah bah Sébastien, assez, on va utiliser le point bonus. C'est bien Sébastien. Excellent. C'était LRC qui va s'avancer. Voilà, parfait, il est brisé. Monique, elle va aller s'occuper de celui-ci. Monique, elle va faire le tour. Parce que sinon, Axe pourra pas tirer dans le dos. Voilà, parfait. Là, on va y aller avec Axe. Axe, il va se mettre ici. Axe, il va tirer dans le dos. Le coup critique dans le dos. Excellent. Et là, c'est Taurus. Taurus, là, voilà. Comme ça, c'est fait. On a gagné. Alors, on trouve une armure lamellaire de hors-la-loi. Du tissu, une dague abîmée, 38 crônes. Là, on utilise les matériaux. Et on va arriver au repère de brigand. Ah ben, on est déjà venu ici. Ah, par contre, on peut couper du bois. Allez, hop, au travail. Là, Alexis qui fend le bois. Voilà, c'est très bien. 7 de bois, très très bien pour Alexis. Est-ce qu'on a autre chose à prendre? J'ai pas l'impression. Donc voilà, comme ça on s'est occupé des survivants, c'est parfait. On va ressortir. Du coup, nous sommes ici. Il y a des lieux qu'on n'a pas... Ah bah oui, là on peut pas le... Là, ici, Ever et Doran, d'accord. Mais sinon, la ferme des Lundes. Là, il n'est pas considéré comme terminé cet endroit. Étrange. Bon allez, maintenant, on se redirige par ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer là-bas? Bon, c'est un peu risqué d'y aller. On va prendre le piton, par contre. On prend le piton. Voilà, comme ça, on gagne un temps précieux. Par contre, attention, la troupe va être fatiguée. La troupe est fatiguée. On se repose immédiatement. Est-ce que Lombardie peut nous faire quelque chose? Il peut nous faire 2 saucisses de loup. Autant en profiter, voilà. Par contre, est-ce que Axe peut nous faire... On n'a pas l'objet. On n'a pas l'objet encore. Pour que l'érudit puisse étudier. Donc Sébastien. Voilà, ici on gagne un point supplémentaire. Là, 2 combats sans blessure. Parfait. Et là, doigt de fée. Forcer 5 serrures. Très bien. Par contre, il faudrait qu'on gagne des points supplémentaires. Ah, si on oublie de se reposer, ça va pas aller. Bon, en tout cas, malgré tout, il y a quand même Sébastien qui est attelé au monolithe. Bon, on va verser la solde. Au niveau de la nourriture, alors. Voilà, un pain. Une saucisse de loup, parfait. Est-ce qu'on a des carcasses? Je crois qu'au niveau carcasses, on avait tout utilisé déjà. Un chou. On a beaucoup de nourriture, mais... Faut quand même faire attention. On rachètera du sel. On rachètera du sel au marché. Voilà, très bien. Donc là, on est bon. Voilà, la troupe est reposée. On peut avancer. On vérifie qu'il n'y a pas de zone de pêche. Non, là, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est ici? Des malandrins? Attaque surprise. Eh, c'est des pillards et des soudards. Ils voulaient sûrement attaquer la ville. Là, on est tout proche de la ville. Bon, là, on va les pulvériser. On peut imaginer qu'on va les pulvériser. On sait jamais. Mais bon, normalement, ça devrait bien se passer. Où est Monique? Parce que là, c'est Monique qui va... démarrer les hostilités. Oh bah comme ça c'est fait. Non, non, il n'y a pas de fuite. Vous vouliez attaquer des braves gens sans défense. Il n'y a aucune fuite possible là.
Parfait. Allez, TLRC, tu te mets ici. Empalement. Le coup critique de TLRC. Excellent. Bon, alors, on va y aller avec Alexis. Voilà. Sébastien qui va se placer dans le dos. Et voilà, bravo Sébastien. Parfait. Bon ben, une victoire assez simple. Une hache ébréchée, toujours de l'expérience. On va pas s'en plaindre. Allez, on approche de la ville, on va aller pouvoir vendre notre surplus. Alors, on va déjà aller malgré tout à la taverne. Voir s'il n'y a pas de nouveaux contrats intéressants. Alors, commercer, vaincre la banque de Elasinius. Est-ce qu'elle a un nombre de vols de bétail? Non, c'est moins bien payé là quand même. C'est moins bien payé. Ça se trouve où? Au sud-ouest. Elle est au sud-est. Non, non, on va. Donc là, au niveau des alliés. On va regarder vite fait. Donc lui, il était soldat, épéiste, mais bon. On va pas enrôler hein, pour le moment, c'est pas nécessaire. L'eau de vie. Est-ce qu'on en a? Oui, on en a. C'est pas utile. Ah non, pas de dépenses superflues, on fait pas n'importe quoi. Bon, par contre, on va aller à la forge, voilà. Donc là, c'est une armure intermédiaire. C'est moins bien. C'est moins bien que ce qu'on a. Alexis, ta barre du meneur. Non, c'est moins bien, c'est moins bien. Ça, c'est à vendre. Ça, c'est à vendre. Ça, c'est à vendre. Antiquité légendaire. Donc ça, c'est à reconstituer. Ah, les saphirs, l'argent qui va remonter. Parfait. Très bien. Par contre, on est lourdement chargé. On est véritablement lourdement chargé. Est-ce qu'on a d'autres babioles? J'ai pas l'impression. Par contre, on a débloqué quelque chose ici. Alors, payer 5 salaires sans retard. Voilà, parfait. Très bien. Est-ce qu'il a des matériaux? On en a combien des matériaux? 26. Bon, on va en acheter. Histoire de monter à 30. Voilà, sans plus. On va voir si on peut forger quelque chose d'intéressant. Sachant qu'on n'a pas encore débloqué les plans aussi. On n'a pas débloqué les plans. Qu'est-ce que Monique va pouvoir nous faire? Les renforts du cerf. Mais les renforts du cerf, il faut être au niveau. Il faut être au niveau 6. Donc c'est pas utile pour le moment. Alexis, il peut mettre quoi comme armure? Non, on va pas changer le métier. Armure lourde pour Alexis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, comme armure? Armure de plate renforcée. Plus 14, plus 19, mouvement. Plus 15. Plus 15, ça ferait gagner combien? Ça ferait pas gagner grand chose, hein. Non, on va garder. On va garder pour l'instant. Au niveau des armes, je crois qu'on est bon. Oui, on avait déjà vérifié le falchion en fer, la hache en fer. Hache en fer. Hache en fer. Masque clouté. Lance en fer. Arc de guerre. On l'avait trouvé l'arc. Dague abîmée. Compétence empoisonnement. D'ailleurs, on va placer. Voilà, Sébastien ici. À côté de l'autre lancier. Notre autre lancier TLRC. Donc là, vieux sur un rouillé. Par contre, chapeau loup, il a l'arme de base. Ça, c'est embêtant. Mais on voudrait garder la compétence empoisonnement parce que c'est très bien. On va quand même regarder à la forge si on peut pas faire quelque chose pour Chapolo. Alors, je crois pas qu'on a encore les dagues. Ah non, on peut pas. On peut pas encore. C'est pas possible de faire quoi que ce soit pour Chapolo. Donc bon, on va sortir d'ici. Bon bah je pense, cher viewer, que c'est le moment de quitter la zone. C'est le moment de quitter la zone. Avant cela, on va retourner par ici. On va aller s'occuper des soudards. Qui embêtent les habitants depuis je ne sais combien de temps. Je crois pas qu'on s'était occupé d'eux. Je ne sais plus. Non, ils sont là. Non, là, ils terrorisent les foules depuis trop longtemps.
Ça suffit maintenant. En plus, voilà. On peut leur donner du cidre. On va leur récupérer du cuir. Non, ben, le choix est vite fait. Voilà, ils arrêtent pas de boire. Là, ça fait on est 1 mois et 27 jours qu'on a commencé l'aventure et ils ne font que boire. Non, non, là, ça suffit. Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Bah là, c'est la chef. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, Akert. Place ici. Voilà, Akert qui égorge la chef. Parfait. Non, non, pas de fuite. Hors de question, vous fuyez. On va s'occuper du fantassin ici. Là, parfait. Lombardie. Lombardie va aller engager l'autre. Oh, le coup critique de Lombardie, énorme. Allez, Sébastien. Sébastien par derrière, ici. Magnifique, Sébastien. Magnifique, qui Sébastien qui prend de l'expérience. On a gagné facilement. Bah, ça bien. Il y a un gros orage ici. Une babiole à vendre, on va la mettre ici. Ça, ce sera à vendre aussi. Du tissu, ça peut être utile. 11 pièces d'or et de l'expérience. Voilà, parfait. Du coup, maintenant, on va regarder la route. On va couper. On va couper ici. On va couper à travers bois. Et on va quitter la zone. On va donc se diriger vers, vers Gozenberg. Je pense que c'est le moment. Là, on a fait le plus gros, si on regarde la carte. On a fait toutes les quêtes. Donc, il reste... Donc là, c'est pour le DLC. On l'a pas pour le moment. On va payer ici ou payer ici. Donc, on va utiliser le laissez-passer qui nous a été donné par la bourgmestre. Des sangliers, magnifique. Ça fera de la viande. Ah, on a oublié de racheter du sel. Il faudra trouver une ville dans la prochaine zone au plus vite. Là, il faut placer les troupes comme il le faut. Voilà, parfait. Du coup, ici, c'est celui-là qui va attaquer. Donc, c'est Monique, là. Notre brave Monique qui va attaquer directement. Ben, voilà. Non, pas de fuite, on prend la viande. Il n'y a pas de fuite qui tienne. Du coup, là, c'est Lombardie. Lombardie qui va se placer ici. Voilà, ça c'est bon. Allez, Maximiliano qui va attaquer l'autre sanglier. Ben voilà, ça se voit qu'ils étaient au niveau 1. Bon, c'est de l'expérience gratuite là, ici. Et puis surtout, voilà, cible de, des matériaux, des carcasses et des crochets. Très bien. Par contre, là, on est fatigué. Il faut s'arrêter. Souche d'arbre. Production de résine pendant le repos. Ah, il est où On a besoin d'Alexis. On va enlever... Voilà, on va le mettre dans le... ici. Voilà, Alexis est attelé. Parfait. Alors maintenant, donc on va manger les carcasses. Elles sont où? Ici. Tac, tac. Voilà, c'est bon. Il faut... Donc ça, c'est pas cuit. Voilà, des fruits. On a plus de pain. Attention. Voilà, on monte à 11. La saucisse de loup. Un fruit et puis une eau de vie. Voilà, pour faire 32 tout pile. Parfait. On a eu de la résine. Merci Alexis. Maximiliano. En rejoignant la bande, j'aurais jamais cru qu'on mettrait un jour la main sur des trésors pareils. N'importe quelle troupe de vagabonds ne peut pas en dire autant. Alors, le prochain gain de chrone est augmenté de 10%. Donc, ici, rêver d'aventure, ou célébrer. Maximiliano gagne le statut inspiré, volonté augmentée de 5. Excellent!
Ah bah là, il est plein de volonté. Hein. Ah bah évidemment, on prend ça. Pour Maximiliano, 22 volontés. Magnifique pour Max. Ah là, il est déterminé ici. Magnifique. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On peut faire du porc grillé. Voilà, allez, les Lombardis qui travaillent. Lombardis qui travaillent dur. C'est bien. Allez, on traverse la zone. Voilà. Bon, on va aller ici. On n'a pas peur de se faire attaquer. Les loups fantômes, voilà. Ça peut être utile pour des ressources. Allez, on place bien les troupes. Axe va se mettre ici. Ici. Maximiliano ici. Où est Monique? Monique. On la voit pas. Monique, où es-tu? Monique est ici. La carte ici. Allez, Monique. Le sanglier fantôme. Ouais, il en reste rien. TLRC. Parfait. Là, c'est Axe qui va s'occuper de celui-ci. Parfait. Taurus qui va. Et Taurus qui bat l'ennemi. Très bien, encore une fois. De l'expérience. Voilà, 10 crochets, du cuir blanc, de la viande de loup, des carcasses fantômes, des globes oculaires. Très bien. Voilà, maintenant on approche de la zone. On a pas mal d'argent, ça c'est parfait. Bon, par là, il n'y a pas de mine, il n'y a rien. Voilà, donc on espère que ça va bien se passer. Alors que là, on passe le pont-levis, direction Gozenberg. Alors, le garde-frontière saute une. Nous ne faisons pas la charité. Pour entrer à Gozenberg, il faut soit laisser passer officiel, soit vous acquitter du droit de péage. À vous de voir. On donne le laisser passer de la bourgmestre. Tout est en règle. Bienvenue à Gozenberg. On peut passer. Donc on veut bien passer. Voilà, c'est bon. Donc on se souvient, on a donné 200 pièces d'or à un individu. Et nous voilà à Gozenberg, nouvelle zone. Province de Vertruse, royaume de Gozenberg. Il y a quelque chose ici. Bon, on ne sait pas ce qui nous attend. Attention. Déjà là, on trouve des ressources, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ici? Moulin de Vertruse. Inspecter. Alors, Marheim, région de Luderne, comté de Tiltren. Région de Luderne. C'est-à-dire. On voit déjà qu'il y a des ressources à ramasser. Donc, ramassons les ressources. Luderne, je pense que c'est une autre région. Et donc on va peut-être pas s'éparpiller dans tous les sens. On va aller voir ici. Le moulin de Vertruse. Alors, est-ce qu'il y a des choses à prendre? On va pas les voler. Ici non plus, on va pas voler. C'est pas le but du groupe. Bon, du chanvre par contre, ça on peut ramasser. Alors, esclavus. J'ai effectivement été vendu avec le moulin. C'est un argument de poids pour les nouveaux propriétaires. Gabrolt. J'ai acheté ce moulin avec l'or amassé pendant ma carrière de gladiateur. Parfois, l'ambiance de l'arène me manque, puis je repense au fait que je ne risque plus de perdre un bras ou une jambe sur une maladresse. Je pourrais vous apprendre quelques techniques sur les dagues, ma spécialité, mais il faudrait me prouver votre adresse à l'arène de Smot. Est-ce qu'on peut lui reparler? D'accord, donc il faudrait trouver l'arène de Smot.
On va noter. On va noter parce que... Est-ce que ça s'est mis dans le... C'est bon. Ça s'est mis dans le journal. On va diminuer le compte et le tiltraine pour pas être perdu. Et puis on va continuer notre exploration. On pourrait aller vers la plage ici. Il y a quelque chose à ramasser. La troupe est fatiguée. Et on a fait beaucoup de route là ici, c'est vrai. Donc on va encore regarder. Est-ce que Lombardie peut faire des saucisses de loup? Allons-y avec le sel. Voilà, parfait. Allez, on va prendre des saucisses de loup. Ici. Ah, ça nourrit bien, ça aussi. Et des champignons. Voilà, parfait. Alors, on a trouvé de la toile de chanvre. Les longues heures ont été nécessaires aux tisserands pour fabriquer étoffe. Très bien. Qu'est-ce que c'est ici? Camp des esclaves. Est-ce que c'est des ennemis? You can forget the bounty our former master promised you. You'll never capture us. Vous pouvez oublier la prime que notre ancien maître vous a promis. Nous ne le serons pas capturés. Qui est-ce? Bon, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Convaincre que vous n'êtes pas au service de leur maître. Requiert 48, on va faire ça. Is that so? Vraiment, vous ne voulez pas nous ramener à notre maître? Bon, eh bien, je suppose que vous pouvez entrer. Entrez dans le camp. Ah ben, on peut couper du bois. Alexis va encore nous montrer ses capacités. Regardez cette musculature, ses épaules. Il fend le bois, là, comme la bise. Voilà, parfait. Encore 7 de bois accumulés. Mais c'est peut-être du vol, là, par contre. Et touchez pas cet anneau. Non, on va pas vous voler. On va pas vous voler. Et Télis, achetez-moi quelque chose. Ça nous permettrait de passer la frontière d'Arag sans avoir à escalader les montagnes. C'est pas donné, hein. J'espère que vous ne nous en voulez pas pour notre accueil. Ça fait une semaine que nous nous cachons dans la forêt. Nous étions un peu sur les nerfs. Partagez donc notre souper. On ne le voit pas, le souper. Bon, il y aura peut-être une quête. Mais bon, on n'allait pas les attaquer sans raison non plus. Par contre, on peut pêcher. Et ça, ça nous arrange bien. Allez, Taurus. Allez, on espère qu'il y a du poisson différent ici. Ah, ça mord dur. Pêcheur compagnon, permet de fabriquer des hameçons experts. Excellent. Du coup, on n'a pas vu ce qu'il avait pêché. Enfin, c'est bien, chacun progresse dans son métier, et ça fait vraiment plaisir. Un bar, très bien. Ça fera encore des nouvelles recettes pour Lombardie, ça. Deux sardines, très bien. Voilà, de la nourriture. Allez, on continue par ici. On va explorer la berge. Du bois ici. Là, il y a des sangliers. Repère de brigands. Oula. 3 étoiles. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est encore pour la pêche. Ah, j'ai eu peur. Ah, on n'a plus de... On va pas venir ici, hein, pour le camp des brigands. On va pas venir tout de suite, surtout pas. Qu'est-ce qu'on a débloqué ici? Artisan légendaire. Passer compagnon au maître dans un métier pour la première fois. Très bien. Ramasser sans ressources. Voilà. Explorateur. Très bien. Célèbre. Gagner 200 d'influence. On est à 14. On est tout proche. Par contre, il faut aller au campement. Il faut que Axe nous fabrique quelque chose. Hameçon de pêche. Et ici, il faut des appâts. Voilà, on va en faire 2. Voilà, parfait. Comme ça, on va pouvoir pêcher comme il le faut. Allez, Taurus.
Bon, là, ça mord plus facilement que tout à l'heure. C'est sûrement un plus petit poisson. Ah, apparemment, Taurus a trouvé du bois. Allez, il faut continuer comme ça. Là, ça mord. Encore du bois, une anguille. C'est bien, c'est de la nourriture. Nourriture gratuite. Vraiment pas l'utilité de dépenser de l'argent pour le poisson. Un bar et du chanvre. Très bien. On va essayer de contourner. J'espère qu'ils vont pas sortir du camp pour nous attaquer. Voilà, on peut encore pêcher. Ah oui, il y a des gros poissons, on peut le voir. Oui, aucune utilité hein, de dépenser l'argent durement gagné. Deux carpes. Ce sera bien quand Lombardie aura la capacité de faire plus de recettes avec le poisson. Un brochet. Très bien. Allez, on continue comme ça. Une perche. Très très bien. Parfait. Allez, on s'enfuit du camp. On se fait attaquer. Bon, ils sont de meilleur niveau, ça va être plus dur ici. Niveau 4 hein, quand même. On va essayer de cibler ici. C'est celui-là qui doit attaquer le premier. Lombardi, on va le mettre là. Axe ici. Maximiliano ici. Donc Monique. Allez, Monique, elle va pas faire de quartier. Voilà, parfait. C'est bon. Voilà, un de battu. On va envoyer Lombardie. La Lombardie va s'occuper de l'allée. Ah, c'est... On voit que c'est plus costaud, hein. Ouf. C'est beaucoup plus costaud. Non, il a pas la portée, malheureusement. On va envoyer Taurus. Ah, il a pas la portée. Aïe. Alexidé, il a la portée. Parce qu'il faut pas que ce soit TLRC ou Sébastien qui se fasse attaquer. Ah oui, c'est pas la même chose hein, au niveau des... Ah, un coup critique d'Alexis, très bien. La riposte, très très bien. C'est qui doit attaquer maintenant? L'ennemi là, il est où? Il est où le sanglier? Ah, il est caché. Donc il faudrait... On va y aller avec TLRC ici. Voilà. Maximiliano qui s'est fait attaquer. Il était bien caché, effectivement. Bon, les sangliers, ça va, mais les laits, c'est plus compliqué. Attention, Monique. Ah, voilà, la riposte. Parfait. Voilà, c'est Akert. Akert qui va... Qu'est-ce qu'on fait? Ça vaut combien là? 4 de nourriture. Après, comme disait Chapeau-Loup, un ours serait mieux. Mais un ours, c'est 12 de nourriture. Un ours, ça fait beaucoup plus de dégâts, on peut l'imaginer. Du coup, non, on va les éliminer. Ça nous fera de la viande. Voilà, parfait. Là, c'est Lombardie qui va se faire attaquer. Ah non. Alors, c'était peut-être pas une bonne idée. Le coup critique, si on l'avait su, on l'aurait fait sur l'autre. On va se reculer. Parce qu'on n'a pas envie qu'il se fasse attaquer. Parce que là, c'est Sébastien quand même, hein. Beaucoup de Sébastien, est-ce que ça suffirait ici? Apparemment oui. Parfait Sébastien, excellent. Ils sont encore 3. Bon là il va charger Lombardie. Lombardie qui est pris de tous les côtés. Là il faut lui venir en aide. Bon la Taurus il est beaucoup trop loin, on va le déplacer. Alors nouveau round.
Nouveau round, il y a besoin d'aller aider. Voilà, c'est bon, Maximiliano qui va aider Lombardi. Lombardi qui se fait de nouveau attaquer, attention. L'allée, il faut s'en occuper. Voilà, ça c'est fait. Non, non, il n'y aura pas de fuite. Lombardi qui se déplace, qui va faire le coup. Voilà, parfait. Dommage, ça suffit pas. Monique. Monique qui vient jusqu'ici. Voilà, il faut les déplacer au plus vite. Voilà, comme ça la troupe vient nous aider. Axe. Ah bah Axe, il va peut-être pouvoir le battre. On n'aura pas d'attaque supplémentaire sur Maximiliano. Une attaque évitée, voilà. Sébastien, il va venir par ici. Taurus. Taurus, il n'a pas eu à se... je crois pas qu'il a eu à se battre. Chapolo. Non. Chapolo, voilà. C'est pas la peine de vouloir contourner, il n'y a plus qu'un seul ennemi. Et TLRC vient également. Voilà, là on est pas mal. Donc là c'est Lombardi qui va réattaquer le sanglier. Il va l'engager de ce côté. On gagne le point bonus, on va l'utiliser. Voilà, parfait. Et là on a le choix. C'est Maximiliano qui va donner le coup de grâce. Il le mérite. Parfait. Alors, 4 de graisse, 25 crochets, 6 pièces de porc, une carcasse et du cuir. Et surtout, un niveau de gagné pour TLRC qui monte au niveau 5. Excellent. Alors, niveau 5. Esprit d'équipe. Tant que cette unité est adjacente à un allié, elle a brutalité. Dégâts augmentés de 30%. Chaque fois qu'un allié adjacent est attaqué en mêlée par un ennemi, inflige 10 dégâts à cet ennemi. Les attaques à distance appliqueront déstabilisation pendant un round. Garde réduite à 0. Ah, c'est excellent ça. On prend ça. On prend ça clairement. Alors, les forces et les critiques. La constitution. Oui, c'est important de les renforcer quand même. Alors, plan de carrière. On va augmenter ici la... Plus 2, plus 1 en transport et plus 4 en santé. Le choix est vite fait. Voilà, parfait. Très très bien. Ah, le repère de brigand nous paraît plus facile ici. Par contre, qu'est-ce qui se passe? On est surchargé? Ouh, on est très 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 surchargé là. Ah là, c'est embêtant. Il nous faudrait... On peut plus se déplacer. Ah, tant pis, on va manger. Hein. On va manger les carcasses. Dommage de devoir manger, mais là il nous faudrait un poney supplémentaire quasiment. On est extrêmement chargé. Allez, on va prendre des saucisses. On n'a plus de saucisses non plus. C'est embêtant là. Et puis on va prendre un vin. Non, c'est pas la peine qu'il devienne alcoolique. Un chou. Voilà, c'est pas grave si ça dépasse de 1. C'est pas un souci. Ah, on est toujours surchargé. Aïe, aïe, aïe. Il faut que Axe nous fabrique quelque chose. On va fabriquer une torche. Ça utilisera un bois. Normalement, la torche coûte... Ah bah non, ça n'a rien changé. Des cordes. Toujours pas. C'est embêtant. Est-ce que Lombardi peut faire quelque chose en nourriture? Ah bah oui. Je pense que ça va être moins lourd, le plat. Oui, c'est bon. On va faire les carnes grillées aussi. Voilà. Les porcs grillés. C'est bon. Mais bon, là, on est à la limite. On est à la limite. On a découvert Marheim. On découvre la ville, on va aller voir la ville et après on va se quitter ici évidemment, sinon l'épisode sera trop long. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Cabinet d'apothicaire.
Est-ce qu'on peut fabriquer des choses avec la carte? Deux remèdes. Allons-y. Voilà, parfait. On parlera au personnage plus tard. À la taverne. Il y a l'informateur ici. Est-ce qu'on peut acheter des choses utiles? La maladie des vignes m'inquiète. Pour l'heure, elle ne touche que Vertruse, mais j'imaginais qu'elle se propage à tout Gosenberg. On en serait réduit à boire de la bière. Du vin de Gosenberg. Recette brouée d'anguilles. 100 pièces d'or. Il faut des anguilles, du chou et du sel. 14. 14 de nourriture. Et là, 40 de nourriture. Dextérité augmentée de 20%, réduite de 35% la vitesse à laquelle la troupe se fatigue. 40 de nourriture. C'est excellent. Des biscuits à la lavande. Et le plan, le luth pour chanter. Oh bah, je crois qu'on va faire des dépenses là par contre. Ça, on va l'acheter. Bon, ça va, on a l'argent. Ce sera pas des dépenses inutiles, je pense. Par contre, on va voir de suite pour l'inventaire. Ça s'est placé où tout ça? Les parchemins, ils sont où? À prendre dans le compendium. Voilà. À prendre dans le compendium. Voilà. À prendre dans le compendium. Voilà. On a acheté 4 choses. Il y en a encore un. Ici. Voilà, c'est bon. Et on a gagné le point supplémentaire. Donc là, le choix va pas être très difficile. Si on veut améliorer les armes. Ah, il y a les cuirasses fantômes aussi qui sont intéressantes. Mais si on veut pouvoir améliorer les armes pour Chapeau Loup. Là, il y a les masses fantômes, les haches fantômes. On n'a pas assez de... On n'a pas assez de cuir fantôme, de toute façon on en a que 16. Donc on va apprendre ceci. Voilà, ça c'est fait. On avait dit qu'on ferait ça. Voilà, obtenir 5 recettes de cuisine, voilà c'est bon. Du coup, on va sortir d'ici et on va aller à la forge. Alors la forge. La forge. On va parler au forgeron. Je sens que cette année va être calme, sans les vignes, pas besoin de cercler les tonneaux. On va lui vendre ceci, on va lui vendre ceci. Ça, est-ce que ça se vend? Marchandises, je sais pas ce qu'il faut faire avec les marchandises. Est-ce que Lombardie... Lombardie, il est à quel niveau? Niveau 5. Lombardie est au niveau 5. Donc, les matériaux, on en a combien? Je crois qu'on en a racheté tout à l'heure. On en a 32. Donc c'est pas utile. Donc on va aller à la forge directe et on va voir ce qu'on peut fabriquer pour Chapeau Loup, une dague en fer. Mais ça peut être pas mal. Parce que là, Chapeau Loup, il mérite mieux. Voilà, parfait. Dextérité plus 9. On va aller voir ça de suite pour Chapeau Loup, même s'il perd l'empoisonnement. Là, il a dextérité plus 3. Donc là, en dégâts, il fait entre 13 et 16. Et si on lui met ça? Entre 20 et 25. Ah bah, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Donc ça, si on la met à Kert, est-ce que c'est... C'est un peu mieux. Il pourrait récupérer empoisonnement... Donc entre 13 et 16. Et maintenant entre 12 et 15. Non, c'est moins bien. Bon, on va pas gaspiller non plus toutes nos ressources. Donc on va quand même donner l'autre à Akert pour qu'il ait empoisonnement. Voilà. Comme ça, Chapeau Loup est déjà mieux équipé. Donc ça, c'est parfait. Donc du coup, on va lui reparler. On va vendre ceci. Par contre, on aimerait vraiment trouver plus de choses pour pouvoir débloquer vraiment le métier d'érudit pour Sébastien. Mais bon, je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Avant cela, on va quand même regarder ici.
Et voilà, on va faire ça avant de se quitter. Puissance et gloire. Excellent. Nouvelle résolution disponible. Respect de l'adversaire. Alors, brave parmi les braves. Maximum de points de bravoure augmenté de 1. On passerait à 9. Spécialisation main gauche. Nous, on n'a pas d'armes dans la main gauche. Nos compagnons sont vraiment très économes dans la nourriture. Commerce de la forge. Votre troupe peut compter aussi des revenus grâce à sa forge. Artisan défenseur. Les armures forgées ont un emplacement de renfort supplémentaire. Dégâts des attaques d'opportunité augmentés de 5%. Gain d'influence augmenté après un combat augmenté de 5%. Le rationnement. Très clairement le rationnement pour la nourriture. Voilà, on n'a plus que 29 comme ça. Si on trouvait un ours, ça pourrait être pas mal. Par contre, c'est embêtant. Je pensais qu'on trouverait un vendeur de chevaux. Et il n'y en a pas ici. Mais bon, écoute, chers viewers, chers abonnés, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Voilà, on a terminé avec Tiltren. On se retrouve désormais à Gozenberg. On va donc continuer notre exploration la prochaine fois. On commencera le prochain épisode en explorant la ville. L'objectif sera aussi de se refaire un peu d'argent parce que là, on a pas mal dépensé. On espère que Lombardive pourra nous faire de belles choses au niveau des recettes. D'ailleurs, est-ce qu'il peut nous faire quelque chose en supplément? Ah bah les recettes sont apprises automatiquement. Ah bah ça c'est bon à savoir. Il faudrait y penser à aller faire les recettes. Voilà, une bonne chose. Une bonne chose en tout cas. Voilà, on va atteler Alexis D ici. Ça diminue encore de 1 la consommation. Donc voilà, on va pas s'en priver. Ouais, écoute, on va se quitter sur ces images. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu me découvres par cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Sache que je réponds à tous les commentaires. N'hésite pas non plus, si tu aimes véritablement mon travail, à cliquer sur le bouton « Rejoindre » de la chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs et rejoindre la GeoFamily. Évidemment, selon tes moyens et tes possibilités. En attendant, on se redonne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure sur Wartell. Comme on l'a dit, on essaiera de trouver peut-être pour acheter un nouveau poney. En tout cas, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine. Salut! Évidemment, on ne termine pas la vidéo sans remercier les souscripteurs à la chaîne. Un grand merci à Gislaine, Céline, Alexis D, MF7 Nefalo, TLRC Mur Robin, mais aussi Spider Maxence, Victorino, David et Alpha Austin. Merci à vous.